Demain, on va déjeuner chez maman. Il va falloir encore se farcir la belle-mère. Qu'est-ce que tu dis? Moi, rien. Encore une belle journée en perspective. Mais pourquoi tu dis ça? Tu m'énerves, j'ai rien dit. Tu me casses les pieds avec ta mère. Ah, ça suffit. Ma parole, elle est folle. Comment avez-vous découvert que vous étiez ventriloque? Un jour, j'ai éternué puis j'ai entendu une voix qui m'a répondu à tes souhaits. Le croirait-on, David Michel s'entraîne chaque jour comme un athlète pour exercer un métier dont le public connaît peu de choses. Eh bien, c'est l'art et la manière de respirer en avalant ses paroles. Tu me casses les pieds avec ta mère. C'est un don, et ensuite beaucoup de travail d'entraînement. Je crois que pour avoir un résultat convenable, il faut 10 bonnes années de travail journalier. Moi aussi, je suis ventriloque. Pourquoi? Parce que moi, je suis une marionnette qui s'est vivre en artiste. C'est l'enfant que j'ai été, celui que j'aurais voulu être. Et puis, je crois que c'est aussi l'enfant que tout le monde aurait voulu être. C'est un dédoublement de personnalité. Il me permet de dire des choses que je ne peux pas dire. Tiens les doigts dans l'œil. Oh, pardon. Ah, j'ai déjà assez d'ennui comme ça, alors. Mais quelle sorte d'ennui? C'est à cause de Tartine. Ta fiancée? Uh-huh. Et bien, qu'a-t-elle? Elle attend un enfant. De toi? C'est pas de toi? Mais de qui alors? Tu es sûr? Ah oui, j'ai vu. Cochon! Demande pardon, monsieur, et vite. Pardon, monsieur. Cochon. Moi, je crois que c'est toi. Non, c'est quoi? Avoue que c'est toi. Non, avoue. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause du cachet. Quel cachet? Le cachet anticonstructionnel. Et alors? Elle s'est gourée. Toi aussi? Moi, j'ai imaginé qu'on pourrait jouer l'histoire de Sarah. Nestor est complètement distrait à ce moment-là. Il joue un autre rôle. Justement, il peut très bien te demander la réplique. Sarah, ne vois-tu rien venir? T'as rien à quelque chose, toi? La réplique? Quoi? Sarah, ne vois-tu rien venir? Quoi? La réplique. Écoute, à la fin du spectacle, je couche Nestor. Hein? Ok, attends, je vois. Comme ça, ça va esthétiquement, là, non, c'est bon. Là, deux secondes, tu le recules, ok? Il y en a un longtemps. Oui, il y en a un longtemps. On répète. Ah oui, parce qu'il y en a un. Ouais, puis je retourne comme ça, tiens, regarde. Visuellement, c'est bon, là? Ça va. Ok? Ça va. Ok. Et tu pleures maintenant. Non, je vais crever le dos. Non. Écoutez, si je te raconte une histoire. Une jolie? Une très jolie. Ah non, d'accord. Le corbeau et le renard. Je la connais. Le petit poucet. Je la connais. Les trois petits cochons. J'en connais un. Lui. Et celle du pingouin qui va prendre une fessée? Ah, alors là, je suis encore à la connaître, celle-là. Hein? Eh bien, tu vas prendre une fessée. Finalement, c'est lui qui serait pas d'accord pour jouer ce thème-là. Mais non, mais c'est pas commercial, ton truc. C'est pas commercial? Non. Bah alors, qu'est-ce qui est commercial? L'érotisme. Tu ne veux quand même pas que je me déshabille? Ah si, c'est mignon. Hein. Chante. Sans oiseau? Bah bien sûr, voyons. Ça va être faux. Si, tu touches! Ça arrive, non? Ça suffit, hein. Si, tu... Hé, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, il y en a un qui cherche Giscard. Qu'est-ce que t'as dit? Réclate, ça suffit! Lâche-moi, j'ai cassé la figure! T'as le trac, hein? T'as les chocottes! Il a le truc de à zéro. Ça suffit, non mais! Lâche-moi! J'ai que mon truc aussi, je suis en chaud! Hein? Lâche-moi! Que ça suffit si je te lâche? Tu ferais ça, toi? Si tu touches. T'en as de la chance, tiens. Mais je t'attends à la sortie. Toi aussi, d'ailleurs. Si tu touches, hein.
Attendez, vous allez être gentils, vous allez tous chanter avec moi, d'accord? Vous taquez dans les mains, hein? Ok? Oui! Parlez pas tous à la fois, hein? Ok? Oui! Toi aussi, qu'on la fait, hein? Si tu touches un grand oiseau, et n'oublie pas d'être gentil, alors sinon, tout aussitôt, il te faut le dernier.